Ivan Korčok a remporté ce samedi le premier tour de l'élection présidentielle en Slovaquie avec 42,5% des voix. Ce candidat pro-Kiev affiche 5 points d'avance sur son rival Peter Pellegrini, l'actuel président du Parlement, qui est lui ouvertement pro-russe et soutenu par le Premier ministre en place, Robert Fico. À travers ces résultats, la presse et les experts décrivent la société slovaque comme tiraillée entre l'Union européenne et le maintien de liens forts avec la Russie. Asi rozdielom 5% zhruba. Hovorí to o tom, že spoločnosť je rozdelená a hovorí to o tom, že spoločnosť naozaj má obavy po nástupe vlády Roberta Fica po septembrových voľbách, že tie zmeny idú príliš rýchlo a príliš zlým smerom a jednoducho to heslo nemôžu mať všetko zabralo na veľkú časť voličov. Peter Pellegrini, le candidat pro Moscou, a remporté 37% des suffrages. Il avait fait toute sa campagne en défendant la décision du gouvernement actuel de stopper tout soutien militaire public à l'Ukraine.